Bon appétit Maurice, bienvenue dans une émission culinaire sponsorisée par La Trobe. La Trobe qui commence dans une précédente émission et une variété de produits qui nous retrouvent dans différents supermarchés à travers l'île. Et aujourd'hui, nous servons la marque Snowy. Et aujourd'hui, pour nous l'émission Simon-Jésus, c'est Jésus-Kitcheuse. Sans plus tarder, à nous accueillir Miss Vanessa Matthews. Salut chef Ricardo, ça va? Bonjour Vanessa, ça va très bien. Et aujourd'hui, je me suis trouvé, je me suis mis en place, je connais tout venir, je vais beaucoup cuire, je vais sortir la cuisine. Super! Donc, je vais préparer un petit pancake tout à l'heure. Allô Vanessa, avant qu'il nous commence, je vais proposer un petit boisson frais et au choix. Je vais donner trois choix. Biscuit, vanille ou chocolat. Qu'est-ce que tu préfères? Ben, vu qu'il m'a extra content mange biscuit, ben, nous tente biscuit là. Ben voilà, un petit snowy saveur biscuit. Ah! Donc, Je vais trouver extra bon là. Tu es content de faire la cuisine? Ah oui, j'adore, c'est ma passion. Je suis santé, je suis extra content de cuire. Ah super, ça y est, je pense. Qui te peut préparer pour nous là? Donc, on vite, vite là. Dis, un bon petit pancake. Et tout là, hein? Et tu connais pancake, tu as aussi mangé, tu as aussi fait à la maison? Pas vraiment, Tony, maman m'a fait crêpe. Ok. Donc, comme on fait, ils m'ont mis sur un petit chocolat, sur un petit. Ok. Tu comprends la mauvaise tête. Mais pancake là, qui différence, hein? Donc, pancake, il est presque même à faire avec crêpe, okay. Sauf qu'il nous ajoute baking powder à l'intérieur. Ah. Pour faire la pâte là, monter, après nous faire ce cercle un peu plus petit. Ah, ouais. D'accord. Donc, nous allons servir avec un peu de fruits, du miel, etc. Même avec du chocolat. Donc, pour sa recette là, tu passes moi du lait, s'il te plaît. Bien sûr. Ouais. Donc, normalement, si tu peux du lait liquide, la case, Vanessa. Donc, ce qu'il te fait pour. Si tu es en poudre, bien sûr, Snowy en poudre. Pour un litre de l'eau, tu mets 5 cuillères de lait. Allô, Vanessa. Donc, pendant que tu peux écraser la banane, donc, moi, je mélange mes ingrédients secs, c'est-à-dire farine, le sucre, le sel un petit pincé et bien sûr le baking powder. Oui. Et quand on cause mélange, tu deviens santé, Bustery. Ah et oui, c'est un mélange. Mélange, ça. Oui, donc, c'est, mélange, ouais. C'est quelle langue, ça y est? C'est le créole et. Créole et oriental, hindoustanais, comment je te l'ai dit, Ali. Donc, ouais. Tu connais sa santé là? Oui. Tout le temps, moi, j'ai envie de faire ça. Moi, j'ai un désir, en fait, faire une chanson mélangée, tout le temps. Parce que tu connais nous, nous tous, Mauriciens, nous cultures, les mélangées, nous tous ensemble, nous sommes les pépins, comment nous dire. Ben voilà, donc, mon rêve est de réaliser. Mais bon, pas de prendre beaucoup les temps non plus parce que c'est déjà dans l'équerre. Tu comprends? Et justement, comment tu peux cause l'équerre, vous trouvez qu'ils sont là, ils ont un petit air bien nostalgique, non? Ah oui, c'est l'amour, Ricardo. Okay. C'est l'amour, hein. C'est l'amour dans l'air. J'aime bien ce thème-là, hein. Mais c'est pas pour les cœurs brisés. Non, non, pas. C'est pas pour briser les cœurs. Non, non, non. Moi, pas content, sans pour du monde les cœurs brisés. Ouais. Moi, me sens pour du monde fait du monde c'était content. Ok. Donc, c'est comme on nous dit, la cuisine souvent rejoint dans différentes passions, professions. Bah oui, c'est là aussi, hein. C'est là aussi. Tu peux me passer le lait, s'il te plaît. Bien sûr, on utilise les snowy toujours. Oui. Donc, juste pour l'orgue, la pâte là, un petit peu même. Ah, d'accord. Ça manque beaucoup, parce qu'on ne peut pas ajouter les œufs là. Tu une batte là. On mélange, ça veut dire. Tu mélanges les. Il y avait les mélanges secs avant. Okay. Ah, ouais, j'ai vu. Ouais. Et mélange puis là, sec, ensuite on ajoute le lait. Ça, c'est pour ramollir un petit peu, comment dire. Parce qu'un pancake, il est un petit peu plus épais qu'une pâte à crêpe. Ouais. Comme si l'appareil, on appelle ça un appareil, il est un petit peu plus épais. Vanessa, pour valer un bol de farine, un bol de lait, vous pouvez ajouter des 10 œufs. Bien sûr, 10 œufs à l'IAP, taille moyenne. Parfois, tu gagnes un plus gros 10 œufs, là, tu mets un sel. Ouais. Donc, nous mélangeons à part. Ensuite, nous incorporons à nous l'appareil. Et juste après ça, vous pouvez ajouter quelques cuillères de. Banane écrasée. Et Vanessa, pendant qu'il me ajoute nous banane écrasée, bien sûr, on peut mettre tout. Un petit peu pour après qu'il nous a mangé. Mais banane là, là tu en mets une case droite. Oui. Tu en mets un petit peu même. Ça veut dire nous montrer juste bien. Hein? Oui. Bien là. Ça veut dire que la moitié, tu en mets la moitié là-dedans. Exactement. Donc, ça petit guide qui reste là, soit nous servir. Nous avons fait une petite réduction avec les poudres d'éco. Ou bien nous étant ça, puis nous payons ouais. Et pendant ce temps, s'il te plaît, prépare une moitié gousse de vanille.
pour nous comme si donner une petite saveur exotique à nos pancakes. Et bien sûr, pancakes, nous pouvons cuire à la poêle. Mm-hmm. Et ce qui nous fait, on ajoute 2 cuillères d'huile végétale à l'intérieur. Ça pour éviter nous ajoute beaucoup d'huile sur la poêle comme si pendant cuisson. D'accord. Mm-hmm. Chef Ricardo. Oui, Vanessa. Sorry, j'ai besoin de baisse mon masque. Senti super bon. Oh là là, tu sais, moi, mon petit sirop vanille dans une bouteille. En bouteille. Ouais. Donc, liquide, comment on dit. Mais ça, là, c'est différent. Hein? Quand tu trouves, nous, la pareille, mm-hmm. bien lisse. Ouais, super. En plus, et ça sent bon. Hein? Ça sent très bon. Donc, banane, vanille, c'est un saveur hyper intéressant. Mm-hmm. C'est un mélange hyper intéressant. Comment mm-hmm. tu sentais? Je suis bien contente d'un petit mot sur. De basket, oui. Surtout ce mélange-là. Et bien sûr, après ça, tu passes au fourneau. Allez. À toi l'honneur. Me trouver tout l'amour qui tu es là pour moi, dans tes lisiers, dans tes bonnes actions, même passe tous les dérodés, toi et moi, paix. Nous ne parions pour nous de l'avant, pour construire un foyer vivant, oui, pour l'éternité. Oh, oh, oh. T'es dit. Bravo, bravo. Super, super. Waouh! Magnifique, Vanessa. Merci pour cette petite intervention-là. Merci, toi-même. Mais pas qu'on finit, nous nous sentons encore. Hein? Ah, avec plaisir. Donc, nous démarrons nos cuissons pancakes. Mm-hmm. Pour faire un. D'accord. Et après ça, nous pouvons préparer une petite décoration pour nos pancakes. Et pendant ce temps, on te continue la cuisson. Donc, nous allons dans une louche. Et nous parlons pili. Mm-hmm. Un peu à 3 quarts, disons. Là, ce qu'il nous fait, nous mettons un petit filet d'huile, nous allons dire. Pancake, bien sûr, nous pas fait dit trop large comme en crêpe. Et donc, nous laisser au milieu, comme on dit. Au milieu, bien sûr, oui. Mm-hmm. Et là, nous servir à ce qu'il commence à cuire, puis nous allons tourner après. Voilà, Vanessa, une pancake qui me paraît, tu m'as trouvé facile à réaliser. Trop pas facile, grand, hein? Pas beaucoup d'ingrédients. Et bien sûr, pancake, nous allons manger le matin pour mm-hmm. un petit brunch ou bien l'après-midi, on nous dit goûter de 4 heures. Mm-hmm. Donc, tu accompagnes avec ce qui t'envie, crème chantilly, chocolat. Ah, mais aujourd'hui, oui. Nous allons accompagner avec un petit peu de fraises et mm-hmm. bien sûr, un petit peu de miel. D'accord. Et sans oublier qu'à l'intérieur, nous avons la banane, nous avons même vanille et sans oublier le lait Snowy mm-hmm. qui est présenté par la Trobe. Vanessa? Mm-hmm. En tout cas, on va accompagner avec un petit peu de crème chantilly, moi je disais tout à l'heure, ou bien du chocolat. Mais aujourd'hui, on va accompagner, touche fraîcheur bien sûr, une fraise que j'ai découpée. Une fraise bien fraîche qui bien nous fraîche. Trouvée là-bas. Là, et ouais. bien sûr, un petit peu de miel. Ah, franchement, waouh! Trop waouh! En plus, le miel, ça fait trop bien là-dessus, quoi. Merci, ouf. Vanessa. Pendant qu'elle déguste son pancake, ne pas oublier qu'une émission est sponsorisée par la Trobe, qui est une large variété de produits dans tous les différents supermarchés à travers l'île. Allô, Vanessa. Waouh, bon, vous finissez plat là, là. Enfin, moi, allez là, ah, vous ça me fait un grand plaisir que tu finisses plat là. Mais pas oublier qu'il y a un ticket pour moi là. Oui, mais je bizarre, réalise sa recette qui chef Ricardo, il me propose tout là. C'est ça même. C'est une recette, la clé du recette. Tu sais, mm-hmm. il y a une petite surprise pour toi. Enfin, pas une surprise, une grosse surprise. Mm-hmm. Quand tu vous écoutes bien après, pour te ramener. Ok. Et bien sûr, c'est offert par la Trobe. Mm-hmm. Un petit paquet surprise pour toi. Il y a un petit peu poids. Donc, vous pouvez okay. tenir les. Donc, tu as un look à l'intérieur. Oh là là. Et donc, tu as toutes les gammes de bien produits. Bien gâté, moi, aujourd'hui. Et voilà. Waouh, vraiment lourd, chef Ricardo.
Ben, je remercie toi-même pour ta patience, pour l'amour que tu nous fais à sa place. Là, on dit super bon. Et bien sûr, sans oublier, nous remercier la troupe qui nous propose une gamme de lait avec différents flavors, biscuits qui m'ont super apprécié. Moi, vite pour goûter ça, hein, super bon. Et bien sûr, le lait Snowy avec qui nous réalise sa pancake là. Hein? Ben, merci beaucoup. Moi, invite de te faire commenter si je t'ai intéressé à connaître qui goût qui m'a gagné, comment ça check extra bon. Ben, moi, invite de te faire les côtes de ben, nos enfants, tout ça à la maison, maintenant, pour extrêmement content. Merci à toi, Vanessa. Merci surtout pour te faire une chanson et de vraiment égayer la cuisine aujourd'hui. Voilà, mes amis, l'émission, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite un bon appétit et à très bientôt pour une nouvelle émission. Bon appétit, Maurice, sur Télé Plus. Parce que moi, je suis habitué à servir ça là. Petit là, je ne connais pas. Vous pensez que c'est nouveau, peut-être? C'est nouveau, ben, le petit logement. Et bien sûr, le petit logement. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Non, c'est pas nouveau. Non, je suis ce gros parquet. Pour tout ce qui te fait pour moi, merci. Mais l'amour est encore plus fort. Oui, encore plus fort. Bravo, super, Vanessa. Super.